Eh bien oui, bienvenue en direct Téléternel, BST du CGT. De retour du MAMA, quand ce lundi 25 février de l'an 4-0, on efface tout, on recommence. Putain, j'en ai chié pour remonter le truc. Tu vois, de là-bas à marcher jusqu'à ici, c'est lourd l'air de rien, avec tout le matos dessus. Je fasse une opération Solex, mais c'est pareil, il faudra l'attacher en bas. Bon, la réunion était pas mal. Bon, on va dire qu'au début, c'était complètement le bordel. Au milieu, ça allait bien. Et à la fin, c'était un peu le bordel. Bon, c'était pas mal quand même. Dans l'ensemble, ça va. C'est normal, tu mélanges des gens de gauche, des gens qui vont tout droit, des gens de droite, de tous les âges. Sur le même sujet, il n'y en a pas un qui se met d'accord, c'est normal. Pour ça, il faut voter. Mais l'ordre du jour, c'est pas terrible. Compliqué. Un truc accessible à tout le monde. Finalement, ouais, le langage des signes, de dire hop, 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 hop. Un peu comme un nuit debout au départ. C'est dans le retrait de la loi. Elle commande, c'est sur ma guitare, ça. Et j'ai pleuré sur ma guitare. Wanted, là j'ai retrouvé le retour du Jedi. Y a pas beaucoup de monde qui joue. Un euro symbolique ou au goulag? Mort ou vif? Le retour du Jedi. Bon, tout ça pour dire, ouais, ça venait de là, du retrait de la loi El Khomri. L'Ayatollah El Khomri, c'est comme une Washburn, elle est bien. Eh oui. Alors, je voulais faire un rapport sur que j'ai marché de Riquier jusqu'à Garibaldi avec ça. Les gens, quand ils voient que tu as un truc jaune, alors en pourcentage, j'ai pas compté tout le monde. Hein. On va dire, si j'ai croisé 200 personnes, on va dire sur 100 personnes, bien calculé. Il y a les gens que normalement ils te regardent dans les yeux, hop, dès qu'ils voient que tu as un carton jaune, ils tournent leur tête et ne diront pas bonjour. Alors, je voulais le signaler en tant que témoin du bordule, puisque je suis quand même un peu membre actif. Bon, je ne suis pas trop administrateur, mais je vais créer un nouveau truc. Et je vais inviter tout le monde, comme une idiote, avec tes amis, avec tout le monde. J'ai rencontré des gens super. Franchement, ça fait du bien de bouger son cul. Par contre, la charrette à ramener, c'est lourd. Mais c'était bien. Enfin, moi, j'aime bien. Et demain, du coup, on est au moins trois. Alors, j'irai chercher les chaises jaunes. Après, c'est mercredi que c'est important. Parce que, justement, il y a les étudiants. Un peu le syndicat des étudiants. Ça, j'aime bien. Oh. Alors, voilà, je vais envoyer la journée. Bon, je l'enverrai que demain. J'ai plus que, je sais pas, 30 et quelques films de retard. Je sais pas combien j'en ai mis aujourd'hui. 14, je crois. J'étais à 42. Plus les 4 de plus d'aujourd'hui. Bon, enfin, c'est pas grave, on s'en fout. Père Noël jaune, l'année jaune, l'an zéro. On efface tout, on recommence. C'est pas beau, ça? Elle est pas belle, la vie? Mais voulez-le un peu, putain. Que le règne vienne, faut le vouloir. C'était le lundi, on s'accorde dans la partition de la vie. C'est pas compliqué. Je suis musicien, mécano, cuisinier, tout ce que tu veux. Il y a tout qui me parle, la fusion moléculaire, je sais pas, quand tu ouvres le capot d'une bagnole. Je sais pas. Moi, il y a tout qui me parle. Je suis interstellaire, je suis intergalactique, je suis intercosmique. Je suis même interprêtre. C'est ça que je voulais expliquer. Dans le moteur à dedans, à deux temps. Il y a les transferts, ça transfère sec. Ça tourne plus vite, mais ça pollue un peu plus. Dans le moteur à quatre temps, il y a les soupapes. Bon, ben moi j'étais surpape. Je me suis rendu compte quand je changeais les courroies de discrimination. Bon, les courroies de distribution, mais je dis bon, là, je fais ça avec mes mains. Mais avec mon âme, avec mon cœur, je fais quoi? Ben, je vais changer les courroies de discrimination. J'avais un vrai 2% Saint-Luc, un vrai 2% Saint-Pierre, deux Ève, qui sont une fille et l'autre belle-fille, les deux patrons, Saint-Luc et Saint-Pierre. Mes premiers essais de téléportation, je mettais la télé dans l'ascenseur.
Qu'est-ce qui se passe quand tu montes chez Saint-Pierre? Si tu mets un film là, d'un an avant, une minute après. Car n'oubliez que, n'oublie jamais que, n'oubliez jamais, car n'oubliez jamais qu'aujourd'hui n'est que l'hier de demain. Tu vois, tu comprends ou tu comprends pas? C'est comme si, c'est comme ça. Tu chauffes ou tu chauffes pas. Et c'était la dernière séquence où. Ouais, pour ce soir, j'en ai plein le cul. Mais c'était pas mal. Moi, j'aimais bien Annie. Elle a fait marrer tout le monde et puis. Et elle est bonne vivante. Quand elle a dit des groupes par affinité, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui s'entend, elle avait pas tort et je la défends. Voilà. J'ai une intervention de Patrice. C'est pas mal, c'est celle d'avant. C'est pas mal. Bon, ça gueule un brin, mais c'est normal. Tu peux pas mettre tout le monde d'accord du premier coup. Ça, c'est la vie. Mais, non, j'ai pas eu le temps de tout dire, mais voilà. Pour un gouverne vrai, un parle vrai, des médicaments vrais, un discerne vrai, enfin, pour qu'il y a tout qui manque, qui soit vrai. Alors si même le ciment, hein, c'est pas pareil, parce que comme même les crocodiles, bientôt ils se vendent en maroquinerie, tu sais, c'est pour payer le coiffeur à Macron.